Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes au Cinéma des Carmes et très heureux et très honorés d'accueillir d'une part M. Philippe Glass qui est présent parmi nous et vous tous qui êtes venus assister à cette soirée. Donc je vais être assez bref puisque mon rôle est simplement de vous présenter nos invités, de vous dire que l'organisation de la soirée se fera donc après cette brève présentation par la projection du documentaire qui lui est consacré, et ensuite une rencontre qui se fera donc avec Philippe Glass lui-même. Donc les personnes Donc je remercie également donc, M. Philippe Faure, le vice-président du Conseil des études et de la vie universitaire, M. François Morin, vice-président attractivité des campus, M. Jean-Louis Talon, qui est à la manœuvre pour cette soirée, que je remercie très chaleureusement, et Mme Jacqueline Co, qui est à mes côtés. Donc je leur passe la parole, d'abord à M. Faure, et je vous souhaite une très bonne projection, une très bonne soirée. Bonsoir à tous. Je veux souhaiter à mon tour la bienvenue au nom de l'Université d'Orléans, qui est heureuse et honorée d'organiser cette manifestation. Je souhaite adresser mes remerciements à vous tous d'abord, par votre présence, montrer votre intérêt pour cette manifestation. Remercier également tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans le montage de cette manifestation. Bien sûr, le cinéma Les Carmes qui nous accueille pour cette première soirée inaugurale. La scène nationale d'Orléans qui accueillera un des temps forts de la semaine demain soir avec le concert donné par M. Philippe Glass, dont je salue également la présence. Il n'était pas prévu et je le remercie de vous faire ce plaisir et cet honneur. Il me faut également remercier la mairie qui a soutenu les initiatives du conservatoire d'Orléans, je vois M. Jean-Vic parmi nous, et également le musée des Beaux-Arts qui accueillera dès demain l'exposition photographique de M. Gras. Vous pourrez assister en fin de semaine à deux concerts qui seront donnés dans la salle de l'Institut. Le concert de Gavin Bryars vendredi soir et le concert impromptu samedi soir. Et je vous engage à participer tout au long de la semaine aux différentes manifestations. Évidemment, je voudrais achever ces remerciements en saluant le travail accompli par le service de l'université, au premier rang duquel Jean-Louis Talon, qui a mobilisé toutes les énergies et su faire converger toutes les actions pour organiser cette semaine. Et puis je voudrais saluer également Sophie, qui est discrètement assise au milieu, mais qui a beaucoup œuvré discrètement, mais dont le travail était efficace et précieux. Voilà. Je passe la parole à mon collègue Philippe Faure, qui va vous dire quelques mots de présentation sur ça. Merci à tous. Merci François. Alors, je serai bref, je voudrais intervenir non moins en tant que vice-président qu'en tant qu'amateur, moi aussi, comme vous tous, je pense, de ces musiques, et comme historien, même si je ne suis pas spécialiste de l'histoire contemporaine, mais encore moins de l'histoire de la musique, mais juste quelques remarques, simplement pour commencer. Il me semble tout à fait intéressant de constater que ce soir, nous avons un public qui rassemble plusieurs générations successives. Je pense que là, c'est particulièrement significatif de l'importance que le courant musical qui va être illustré pendant toute la semaine, son importance dans l'histoire finalement du XXe siècle. Chacun sait sans doute que les années 60 du XXe siècle ont été une période, on peut dire, de rupture, révolutionnaire dans l'histoire culturelle de l'Occident.
Et dans ce cadre général de révolution culturelle, le courant des musiques nord-américaines, des musiques minimalistes, des musiques répétitives, a pris toute sa part. Et il a eu une influence peut-être relativement restreinte au départ, parce qu'il s'est adressé à un public, en tout cas il touchait un public restreint, mais progressivement cette influence a grandi, elle a touché un grand nombre de courants musicaux. Et cette période a été aussi, ça me semble tout à fait important historiquement, une période qui a vu progressivement l'émergence de formes musicales différentes des formes classiques, mais pas forcément toujours en rupture avec ces formes. Et puis d'autre part, il y a eu la découverte, on va replacer ça dans un contexte plus large, la rencontre, je dirais, avec les formes orientales de la musique. Hein. Et cette rencontre avec les formes orientales est allée de pair avec une découverte, alors plus ou moins approfondie selon les cas, des spiritualités orientales et des spiritualités indiennes en particulier. Voilà pour situer un tout petit peu rapidement ce qui me semble quelque très important, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, de cette phase, disons, des années 60 et de cette émergence de ce courant musical qui, votre affluence le prouve, a grandi et s'est développé et a atteint des genres musicaux très très diversifiés maintenant. La musique électronique est effectivement un des courants qui a été influencé par ces musiques pionnières, je dirais, des années 60-70. Et les musiques de film, beaucoup de musiques de film aujourd'hui sont le résultat, aussi l'expression de cette influence. Et ce médium extraordinaire que la musique de film a permis, là aussi, de décloisonner très très largement ce courant musical. Voilà, je m'arrête sur ces quelques remarques et je passe la parole à Jean-Louis. À Jean-Louis, peut-être d'abord, pour préciser des choses que j'aurais esquissées. Et ensuite, à Mme Coe, bien entendu. Non, simplement associé au remerciement formulé par par François Morin, et remercier aussi vivement Jacques Nico pour son aide considérable pour la construction de cette manifestation. Voilà, et je vous remercie infiniment d'être venus tous, et j'espère effectivement qu'on vous reverra tout au long de cette semaine, demain Film Glass et tous les autres rendez-vous de cette semaine. Voilà. Laisse la parole à Jacqueline Collin. Bonsoir. Bon, ben, merci à tous, Bertie, surtout à vous tous d'être là. C'est très agréable de vous voir réunis. Voilà, je vais pas parler très longuement parce que c'est toujours mieux de voir le film que d'en parler. Simplement donner peut-être quelques petites précisions sur certains des musiciens qui participent à ce film et qui sont peut-être un peu moins connus de vous que d'autres. Bon, vous allez retrouver John Cage, je pense, pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez. Vous allez retrouver Steve Reich, vous allez retrouver Philip Glass. C'est aussi, je pense, des noms qui vous sont assez connus. Mais vous allez aussi retrouver, par exemple, tout à fait au début du film, une personne qui, je pense, est quand même un peu moins connue que les autres, qui est une musicienne qui s'appelle Pauline Oliveros, et qui est quelqu'un qui a été très très importante parce que c'est une pionnière de la musique électronique aux États-Unis, qui a fondé en 1963 un centre de recherche et de travail autour de la musique électronique qui s'appelle le Tape Music Center, où des musiciens européens d'ailleurs sont allés travailler, des musiciens comme Berio, comme voilà. Donc elle est là aussi pour moi en tant que pionnière et presque, je dirais, comme une des grand-mères de la musique techno, puisque c'est une de celles aussi qui a commencé très vite à mixer les disques, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les samplers, il n'y avait pas tout ça. Voilà, donc elle est une initiatrice en tout cas. Et puis, vous retrouverez Terry Riley. Je pense que pour certains aussi, c'est un nom qui dit quelque chose et qui est un petit peu oublié depuis un petit moment. Meredith Monk, qui est une chanteuse tout à fait étonnante, qui est aussi une danseuse, une chorégraphe, une metteur en scène, chez qui Bob Wilson a commencé, avec lequel donc Philippe a fait ce magnifique opéra Einstein on the Beach, dont les photos de Philippe Gras, qui était un ami de mon mari Daniel Coe, sont exposées au musée d'art contemporain, au musée des Beaux-Arts. Voilà, avec la musique d'ailleurs qui passe pendant qu'on peut regarder les photos. Et puis Gavin Bryars, qui va donc venir à la fin de la semaine, et à la fin,
Richie Hawtin, qui est donc un tenant de la musique techno, on dit minimaliste, hein, voilà. Donc, et vous verrez que, en tout cas, il y a des liens entre toutes ces musiques, entre la musique électronique, la répétitivité, il y a des choses qui nous amènent très directement à la techno. Voilà, donc après on en parlera davantage. Merci. Merci Jacqueline Coe, merci Philippe Glass. Vraiment très content, très heureux de pouvoir vous accueillir et que vous ayez accepté aussi, Jacqueline et Philippe, cette discussion. On va rentrer dans le vif du sujet après ce film. Restez déjà complètement dans ce bain sonore qu'on a entendu tout au long de ce film. Par une première question qui s'adresse à tous les deux. Tout bêtement, comment est né ce film, en fait, comment est né l'idée de ce film, l'envie de faire ce film? Jacqueline, peut-être? Ben c'est lié tout à fait à ma vie et à celle de mon mari, Daniel Coe, puisqu'on s'est occupé, on a été passionné par ces musiques dès le début des années 70. Et à l'époque où d'ailleurs Philippe, comme les autres, n'était pas du tout des musiciens connus encore. C'était vraiment la bagarre aussi par rapport aux institutions, comme des musiciens qu'on peut respecter par ailleurs, mais comme Boulez ou d'autres, pour lesquels ces musiques-là n'étaient pas du tout respectables. Donc il a fallu vraiment pas mal bagarrer. Daniel l'a beaucoup fait sur France Culture en faisant beaucoup d'émissions. Peut-être certains d'entre vous l'ont écouté, en écrivant aussi beaucoup, en organisant également beaucoup de concerts. Et quand Daniel a été très malade, donc j'ai convenu avec lui que je ferais ce film qui serait mon hommage à lui et à son esprit, et mon hommage aussi à tous ses amis musiciens qu'on a côtoyés tout au long de notre vie. Voilà. Et ce qui a été magnifique, c'est que Daniel est mort en juillet. En septembre, j'ai envoyé un mail à tous ses amis musiciens et le soir même, j'avais la réponse de tout le monde en me disant « Viens, viens, on va participer ». Ça, c'était absolument magnifique, parce qu'ils sont tous très, très occupés. Et j'ai commencé avec Philippe, d'ailleurs, en allant tourner à New York au mois de décembre. Ça s'est fait très vite. Un mot, c'est bien, ça, par rapport à ce film.
Monsieur Ferrand. I was particularly, I find the Meredith Monk particularly beautiful. But I know all these people very well, so I've known them since they were beginning. We don't see each other very much. But the connections are strong, and the most important thing is that music emerges from a certain moment through the force of circumstance, the force of convention, the force of... Beaucoup apprécié le film et que justement le film reflète bien cette idée que la musique émerge de circonstances particulières et que justement les connexions entre ces différents musiciens vraiment exacerbent vraiment toute la passion de ce genre musical. One other thing, John Cage emerges as a kind of grand-père de tout le monde ici. Je pense que tout le monde a compris. Ce que je veux dire justement, c'est que, en effet, c'est un peu la raison de mon titre, les couleurs du prisme. Il y a quelque chose comme ça qui est lié à cette première image de John Cage qui a vraiment ouvert des plein de chemins de traverse et plein de possibilités musicales nouvelles. Et ensuite, il y a eu comme ça des prismes, comme lorsqu'on a un cristal et que la lumière vient frapper dessus sur toutes les facettes. Il y a vraiment des couleurs comme ça qui jouent. Et je trouve que tous les courants et tous les musiciens très, très, très particuliers, chacun d'entre eux, vraiment, c'est ce qui donne voilà, la couleur au prisme. Ils en font partie. Et un état d'esprit aussi, je crois, très très spécifique qui est issu de celui de John Cage, qui apporte comme ça en disant mais tout est musique, tout son est musique et rend possible une autre façon d'approcher la musique. Mais je pense qu'en effet, comme le disait tout à l'heure Philippe, il y a eu quelque chose de très très particulier dans cette époque où les choses ont commencé. Fin des années 50, début des années 60, etc. La guerre, la Seconde Guerre mondiale était encore très proche. Et je pense que, comme des peintres ont dit, on ne peut plus peindre autrement. Des danseurs ont dit, on ne peut plus danser comme avant. Le corps glorieux, c'est terminé. Et des musiciens, je crois, ont dit, on ne peut plus faire de la musique comme avant. Donc, il y avait, voilà, et un état d'esprit très particulier aussi aux années 60. Et quelle est votre histoire spécifiquement à vous, Philippe Glass, alors, dans tout ce courant minimaliste, toute cette histoire musicale qui s'est créée dans les années 60? Parce que vous occupez, on voit bien, en fait, vous occupez une place à la fois très proche de tous ces compositeurs, vous êtes cité par Ricciottin, vous êtes cité, mais vous avez une spécificité, vous l'avez dit d'ailleurs, la spécificité, vous êtes le compositeur de musique de théâtre. Pour la scène. Well, that's a group here. I was the one that was in the theater. The others were in the concert hall. But interesting is to note that the only person in the film who talked about minimalism was the very young guy. Yeah. Because we never thought we were minimalists. It took a younger generation. I think that's interesting. There's something to be should be said about that, but won't you? Ce qu'il trouvait assez drôle, en fait, c'était que tous ces gens qui avaient contribué à la création du courant même du minimalisme ne se considéraient, on va dire, ils ne sont pas catégorisés comme étant des minimalistes, alors qu'on voit jeune génération comme le dernier artiste pour le film qui là prend conscience
du fait justement qu'il se catégorise comme étant minimaliste. The thing that we have to notice is that with the young guy, who is a very interesting guy, he represents the next generation, or maybe even two or three generations later, actually. The point is that he comes equipped with a different technology. Therefore, the language has become radically different. The technology is all determines the content without any question. If you're building a building, it depends on what kind of shovel you have. If you have a different shovel, you have a different building. This guy has a lot of very good shovels. And in fact, he represents a new way of making music, and he's not the only one. The generation of people now younger than him, maybe 10 years younger than him, in their 20s, are considering the language of music in a way that is as radically different from us as we were from the people before us. I think it's great, actually. I think it's fantastic. The older people, we were born too early for that technology. I still write with pencil and paper. My copyist has disappeared because the pens that they make for copy music aren't made anymore. So to copy music, you have to use a computer. You must. I live in New York City. I have to order my music paper from California. Because no one in New York City sells it. There you are. Parce que je connais un petit peu l'histoire, excusez-moi. Hein. Voilà, donc évidemment, ce que disait Philippe, c'est que c'est Ricciottini, hein, Plastic Man à la fin, qui parle. Donc il dit qu'en effet, c'est très intéressant, mais qu'il se réfère en effet au minimalisme et qu'il utilise une technologie qui est très très différente de la leur et que. À l'époque, eux étaient trop jeunes, un petit peu comme je le disais au tout début, cette technologie qui est là n'existait pas lorsque eux, ils ont commencé à faire de la musique. Un peu aussi ce que dit Pauline Oliveros au début du film. Voilà, il n'y avait pas les sampleurs, il n'y avait pas tout ça, elle était obligée de couper les bandes, enfin, c'était quelque chose de très. Et qu'on sait bien que la technologie joue sur le contenu même de la musique, on sait bien que même l'art ou la musique notamment avance beaucoup. En fonction des technologies, hein, la musique concrète a existé parce que les magnétophones devenaient portables, parce qu'on pouvait sortir dans la rue, prendre des sons, etc., etc. Donc voilà. Et lui dit qu'en effet, il est tellement pas dans cette technologie-là qu'il fait, il écrit sa musique avec un crayon et un papier et des gommes, et que d'ailleurs ça lui pose problème maintenant parce que ces papiers à musique et ces crayons-là ont tendance à disparaître maintenant, et que pour faire des copies, alors il écrit lui avec le crayon et le papier et la gomme, mais pour faire les copies, il est obligé de passer quand même par le computer. One other thing, I would say, what makes this film very interesting is that Jacqueline has made the last chapter something so different from what was before. Just another filmmaker would have stopped. Yes. But by doing that, she places a kind of historical view of it that without the last part you wouldn't have. Now, it doesn't matter whether you like that boy's music or not. It doesn't matter. He is at the beginning of a language, not at the end. Where it will go, we can't say right now. But the way of thinking, the way of hearing music, for him, is different. Mm-hmm. Yeah. Well, that doesn't mean the end of the orchestra. No, of course. Or the end of the piano. No, of course not.
It just means that the orchestra and piano have company. It's rather strange. Voilà, que ce qui l'intéresse dans, dans ce film, c'est que cette dernière partie, qui est quand même très différente du reste des autres musiciens du film, existe et était, j'ai voulu vraiment en effet la mettre présente à la fin du film. On aurait pu en effet, j'aurais pu arrêter le film avant, mais que ce qui est intéressant, c'est de montrer ben, cette future étape dans laquelle ces musiciens plus jeunes que Philippe ou Steve ou Lamantion ou les autres se placent, ce qui ne veut pas dire du tout que, d'abord ils en sont encore à, pas tout à fait au début parce que ça fait 20 ans que la techno existe, mais enfin ils sont encore très jeunes et on ne sait pas vers quoi ils vont aller, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'orchestration ou la musique pour piano n'existe plus, bien évidemment. Voilà. Et pour moi, ce que je voulais aussi montrer, c'est qu'en effet, c'était également un courant que Daniel avait beaucoup défendu, tout à fait au début de la musique techno, lorsque les rêves étaient interdites, lorsque, etc., etc., et que pour lui, s'étant intéressé aux musiques électroniques, comme il le dit d'ailleurs, aux musiques électroniques, à la répétitivité, aux musiques indiennes et à la trance, parce que je crois qu'en effet, que ce soit les musiques de Philippe ou que ce soit... Il y a dans toutes ces musiques-là, le corps est très très présent. Le corps est très important. Et ce qu'il y a de spécifique, et vous le verrez demain, c'est quand même un compositeur qui joue lui-même sa musique. Voilà. Il y a quelque chose là de très particulier et où le corps du musicien est vraiment en jeu. Et nous qui le recevons, c'est aussi quelque chose qui fait bouger nos corps. Ce n'est pas seulement l'esprit. Exactly, all the composers. Yes, all the composers. All the composers play the music. Exactly. Tous les musiciens là, tous les compositeurs qu'on a là justement, jouent leur musique. Et ça, je crois que c'est en effet quelque chose qui pour moi est très spécifique, mais probablement parce que mon background à moi et celui de Daniel aussi, on vient du jazz, on a aimé d'abord le jazz. Donc quelque chose qui est très lié au corps, en effet, et à cette vibration très particulière. La musique. Maintenant, peut-être avez-vous, vous, des questions à poser. Parce que je peux poser beaucoup de questions encore à Philippe, mais peut-être c'est bien que vous puissiez, vous exprimer un peu. Profitez-en. Hein. Mm-hmm. Ou alors on te donne un micro et nous on garde un pour nous tous. Qui serait qui dans la salle ? Oui, vous faites beaucoup d'allusions aux arts plastiques. Je ne suis pas si sûr du détail, mais il y a le terme de minimalisme que je ne comprends pas très bien. Si vous pouviez l'expliquer, je pense à Sol et 8. Oui. Ou bien à Maurice qui travaille dans les cubes. Et je ne vois pas trop la relation avec le terme de minimalisme en musique. Si, parce que il y a alors peut-être, je ne sais pas si Philippe veut répondre. Mais il y a eu quelque chose qui était très particulier, qui était l'usage de peu de formules musicales. Par exemple, les musiques répétitives au tout début se basent sur très peu de formules musicales, avec des adjonctions ou avec des déphasages. Lamantio utilise par exemple un seul son, et vous rentrez dans le son, et il y a beaucoup de silence. Donc il y a quelque chose qui là est très très proche du travail de Sol et 8 ou du travail de Richard Serra ou ça. Et par ailleurs, ils ont d'ailleurs été très très liés parce que tous ces musiciens-là ont d'abord été soutenus par les plasticiens qui les trouvaient en bien plus grande proximité avec eux que les autres musiciens. Voilà, les premiers concerts se sont faits avec des plasticiens. C'est important de remember that none of the composers said they were memberless. It was invented by the newspapers. So why should I try to explain to you what a newspaper person thought I was doing? You see, it's backwards. Oui, c'est un terme de facilité aussi qui n'est pas issu des musiciens, comme je pense
Je ne suis pas sûre non plus que Sol Lewitt ou d'autres ont revendiqué ces termes. C'est des termes qui ont été donnés pour classifier. Voilà, c'est plutôt des termes journalistiques. Et je pense qu'en effet, Philippe, en plus, depuis le minimalisme, ça fait 40 ans, et il a fait beaucoup d'autres choses depuis. What is interesting, the differences between the composers is much more interesting than the similarities. Oui. Comme, évidemment, comme il le dit, le plus intéressant, c'est les différences, c'est pas les similarités. Voilà. Et peut-être on pourrait poser des questions ou questions à Philippe sur, ben, sur ce qu'il fait maintenant et depuis déjà assez longtemps, ce nouveau regard sur, depuis le nouveau regard sur l'harmonie, qu'est-ce qu'il fait maintenant par rapport. On va pouvoir d'ailleurs entendre demain en partie. Well, I perform the old music. With the ensemble, with myself. People like to hear it and I like to play it. But I don't think about it at all. I'm thinking about a different music. So, I hope that you will hear it sometime. It doesn't matter to me whether you hear it or not, to be truthful. I'm not thinking that way. But I play it because I like it, and I'm surprised a little at how well it has lasted so long into 30, 40 years since the time we wrote it. It's a long time. Ouais, il disait simplement que. qu'il jouait encore cette musique minimaliste, mais que c'était vraiment c'était pas une chose à laquelle il pensait et qu'il avait évolué et que c'était une chose qu'il aimait bien jouer et que peut-être que vous aurez l'occasion de l'entendre. C'est pas trop sa façon de penser, quoi, on va dire, et puis ça le surprend toujours un petit peu qu'en fait, lui, évidemment, il est passé sur d'autres choses, et de voir que ces musiques qu'il a écrites il y a plus de 35 ans maintenant continuent à être autant demandées et aimées. Enfin, mais il y a toujours un temps de décalage entre le moment où le musicien crée des choses nouvelles et où tout le monde l'accepte, peut-être. Autre question peut-être. Ah. Oui, je voulais... Alors, j'aimerais savoir comment on trouve ce soir. J'aimerais savoir comment est né les 3-4-6. Movies. Comment il est quoi? Les 3-4-6 movies. Koyanis 4-6. Oui, et voilà. Et voilà. Comment il a mis ses rencontres entre la musique. The Rachel. You know, I'll answer that by telling you a story. I was talking to the composer Virgil Thompson once, and I said to him, how do you pick the singers for your operas? You always have good singers. And he said, oh, it's very simple. I just listen to the singers and I pick the best ones. So, and you say, how do I do the music? Well, it's very simple. I look at the picture and I write the music. Demande de Sergio Reggio de l'avoir comme musicien. D'accord. Sergio Reggio asked me to do the music. Yes, he always asked me to do the music. We're doing a piece. We're trying to do movie right, right now. Another one. We're doing a new movie. This is number 5 for us, actually. We've done 5. This is the 5th movie we're doing right now. I don't know the name yet, but it's another movie by the same guy. Bonsoir. Je voudrais savoir si vous avez été inspiré par le one time. Le one time. Oui. Ou pas.
I have a very complete exposure to music. I heard all kinds of music, and it's all been important to me. I think that's about all I can say. I was very lucky that way. I was lucky because I was very open to music, and I understood that music talent, the talent for music, was not defined by race or gender or age or culture, but simply by the quality of talent of the individual. And in that way, I don't make a big difference between composers. I only think they're good ones, and they're not so good ones. That's the only difference I can tell. Il nous dit qu'il a été inspiré par plein de genres de musique, que sur ça, il ne peut pas vraiment dire grand-chose de plus. Mais ça, par rapport à la qualité d'un compositeur, ce qui fait qu'il est bien ou non, c'est juste la qualité en soi. Ni la race, ou l'âge, ou le sexe qui détermine quoi que ce soit, c'est juste quelque chose à apprécier en soi. Jacqueline, the group she picked us, they're very interesting because they're so different. The way they think is different, the way they look, the way they hear. And yet, we're all very connected from our generation and from our culture. Even Gavin, who was English actually, yes. Very much one of us. And there are others, Louis Anderson, there are others, many others. Oui, dit qu'en fait, dans ce film, en effet, il y a des grandes connexions, même si chacun est très différent. Chacun a son expression à lui. Gavin, en plus, est anglais. C'est une autre forme d'approche encore, mais il y a des vraies connexions, en tout cas, entre tous ceux qui sont dans ce film. Évidemment, il y en a encore beaucoup d'autres. Moi-même, j'ai aussi beaucoup d'autres intérêts pour tout un tas d'autres musiques, et je crois que là, comme je m'auto-produis, j'ai eu des limitations financières, on va dire. Mais j'aurais bien aimé pouvoir faire 3 ou 4 films pour compléter un peu le panorama. Why not? It's depend on the money. But maybe, peut-être si je trouve suffisamment d'argent, je continuerai la petite balade musicale que j'ai commencée là. Une dernière question, deuxième question. Est-ce que vous avez montré une phase de techno à la fin du film? Est-ce que Philippe Glass arrive à la transe quand il joue? Est-ce le paradoxe du minimalisme et de la transe, est-ce que ça existe? Are you in trance when you are playing? Then I would probably fall off the scene. Yeah. The difficulty with playing this music is that the quality of attention must be extremely high. If I don't have my memory is good, my attention is not perfect. If when I'm playing, I make a mistake in the music because the music is composed. It will be because there may have been a slight waver in my attention. My impression, I don't know much about trance, but I have the feeling that it's not about a high level of attention. It's something else, but I don't know exactly what it is. But I know that the requirements of playing this music are fierce, the preparation for that
is a lifetime of training, really. And that's what it is. We arrive there through our training, and the ability to hold the musical image in our mind. But when you watch Steve playing, you say, what is he doing? He's trying to listen to what he's doing. We look at Meredith Monk singing, what is she doing? She's listening to her singing. And you can see with Gavin Bryars, what he's listening, you can see the concentration in his face. When you look at Lamont Young, he's not in a trance. He's absolutely, perfectly tuned to the sound. The trance is a luxury of the auditor, of the spectator, the popular compositor. Donc oui, il dit que, bah, évidemment, lui, il ne peut pas être en transe, parce que s'il rentrait en transe, il tomberait de son tabouret, et ça serait difficile de continuer. Et que, justement, ce type de musique qu'il compose et qu'il joue, lui, seul ou avec ses musiciens, demande une extrême attention et une grande, grande concentration et des années de pratique. C'est vraiment une vie entière consacrée. Ils ont d'ailleurs mis plusieurs années avant de se présenter au public, parce que c'est une musique, s'il y a la moindre faute, ça casse complètement tout l'ensemble et toute la progression du rythme. Donc il est au contraire, quand il joue, totalement concentré dans les coups de ce qui est en train de se faire, et que s'il y a quelque chose qui le perturbe, etc., il perd l'attention, et c'est ça qui est vraiment une gêne, au contraire. Et que ce qu'on voit dans le film, et c'était ça que je voulais montrer justement en filmant les musiciens de très très près, justement, c'est qu'on voit cette écoute qui devient presque une écoute intérieure. Quand on voit Philippe, quand on voit Steve aussi, on voit, il a les yeux, il est tourné à l'intérieur, il écoute complètement. Quand on voit Meredith, elle écoute aussi son chant, quoi. Chacun est, et c'est une extrême concentration, hein, beaucoup plus que n'importe quelle autre musique. Well, we can say, actually, that one of the great achievements of the film is to capture those moments of very high attention by the player. Everyone that you're looking at, including the young fellow at the end, including him, they are playing and listening on the highest level of attention of which they are capable. The beauty of the film is that Jacqueline allows us to see it. Je ne sais pas si je dois traduire, mais donc Philippe trouve que la beauté du film, c'est d'avoir donné cette possibilité de voir, et c'était ça en effet que je cherchais à capter et à montrer, tous ces musiciens extraordinaires complètement concentrés, complètement sur l'écoute, et même y compris le jeune musicien, y compris Casanova. I have to tell you what. In the late 50s, I would hear John Coltrane playing at the Vanguard. And this is what happened. He would begin playing, and he had people playing with him. And after about 30 or 40 minutes, they would stop playing and take a break. He never stopped. He just kept playing. After the break, they came back, and they continued. John Coltrane never stopped. I saw that many, many, many times. Yeah. We saw him. I don't even know if he knew they stopped. Yeah. Voilà, donc il raconte cette histoire de John Coltrane au Village Vanguard à la fin des années 50, où Philippe était allé l'écouter. Et donc il jouait, puis il y a eu une pause, donc l'ensemble de son groupe s'est arrêté de jouer, et lui a continué à jouer. Voilà, puis le groupe plus tard est revenu, puis ça a repris comme si rien ne s'était passé, comme si rien ne s'était arrêté.
Et ce que Philippe se demande, c'est est-ce que même il a réalisé que les autres s'étaient arrêtés. Voilà, donc il... voilà, complètement investi par et dans la musique. Voilà. Et ça, c'est ce que je considère aussi dans ce film, et pour moi c'était très important, ce sont des vies. Ce sont des vies, c'est des vies entières, quoi. C'est pas activement, c'est la vie, totalement. I saw the same thing with Ravi Shankar many times. Now we're talking about, it's very hard to talk about this, it never comes up in conversation. It came up tonight, the first time I've ever heard anybody talk about it. But what we're witnessing is an experience on the part of the creator, people that he saw, that is a very core experience of the musician. You can see it in the opera house, you can see it in the chamber music, you see it all the time. I saw Segovia playing like that. I saw when you are in the presence of that, you're in the presence of a human being experiencing his art at the highest level that he's capable of. It doesn't happen all the time. But when you see it, it's unmistakable. Donc, ils disent que ce qui est en effet quelque chose qu'il n'a pas abordé souvent dans les conversations qui arrivent là ce soir, c'est que tous les musiciens qu'il a pu voir, que ce soit Ravi Shankar, que ce soit Segovia, que ce soit d'autres moments à l'opéra ou ailleurs, c'est cette intensité, cette capacité d'être entier quoi, dans ce qu'on fait, que c'est en effet quelque chose de... qui requiert la plus grande capacité d'attention, d'investissement possible à un être humain. Voilà, c'est je crois peut-être ça. Voilà. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours posé pour moi-même la question de pourquoi filmer la musique. Ça me paraît ridicule. Pourquoi je le fais? Parce que moi, quand j'écoute de la musique, j'aime surtout fermer les yeux. J'aime écouter la musique les yeux fermés. Bon. Ce que j'ai, la seule raison qui justifie pourquoi je filme la musique, c'est d'essayer de capter quelque chose que personne ne peut capter, même pendant les concerts. C'est-à-dire ces attentions-là, ces moments de... On ne peut pas voir parce qu'on est toujours trop loin. Oui, okay, I said it was also in the opera house and in the concert hall. But in fact, it happens in ordinary life all the time. Every one of us is capable of that high level of awareness. And it does happen to us. It happens to everyone. We may not think about it that way, but at those moments we are experiencing awareness of our own consciousness in a unique way, in a way that can't be duplicated in any other, but it's spontaneous. And what I always think is that it's not confined to the world of artists. It's actually in ordinary life all the time. C'est très joli parce que je retrouve l'esprit de Philippe dans cette remarque qui tient bien à dire que ça n'est pas limité au monde des artistes, ce qu'il vient de dire, parce que dans ma remarque, il a dû penser que je faisais un distinguo entre les artistes et puis nous qui sommes les auditeurs. Il dit que non, cette capacité très grande d'être vraiment attentif à ce qu'on vit et à ce qu'on peut recevoir, on l'a tous. On l'a tous. C'est pas simplement quelque chose qui serait le registre seulement des artistes. On a tous cette capacité dans nos vies d'être vraiment éveillé, quoi. Je crois que c'est ça qu'on peut dire. Dernière question, là. J'ai deux questions. L'une est plus futile que l'autre. Alors, la première question, c'est je pensais à Walter Thompson, parce que, en fait, c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup ce que vous disiez
dans le film que c'est la vie, hein, et donc il y a des connexions très importantes entre les gens. Je pensais au sound painting. Je me disais, tiens, est-ce que c'est vraiment complètement à part? Pourquoi j'ai pas entendu ça? À quoi? Au sound painting, et donc, Roger Thompson, justement, qui est beaucoup avec l'improvisation. Il y a un lien avec le jazz aussi. Oui. Voilà, c'est vraiment très différent parce que c'était exprès, vous n'aviez vraiment pas parlé de ça. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y aurait une petite place pour demain soir au fond des tiroirs? Ça, c'est très très bien. She asked if there is some places for tomorrow evening for you concert. Je crains que ça soit vraiment complet. Et pour ce qui est de l'autre question, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, je n'avais pas les finances suffisantes pour ouvrir davantage mon film. Voilà, je vous dis, peut-être je vais... Enfin, ce qui est certain déjà, et ça rejoint un petit peu aussi même ce qu'on a dit tout à l'heure, mon prochain film va être sur les femmes arabes musiciennes, parce qu'il y a des femmes absolument extraordinaires, aussi bien musique savante que musique populaire, qui refuse de porter le voile, qui parle de l'alcool, du plaisir et du sexe. Donc, c'est le prochain film. Il me reste à vous remercier. À vous remercier d'être venu, d'avoir assisté. Merci à Philippe Glass. Merci à... Thank you.